Je viens de Colombie et je seulement bois la neige dans la télé. Maria Morea, arrivée au Québec en 2022, a fait du ski alpin pour la toute première fois de sa vie. C'est très, très, très bon. C'est très amusant, différent. On peut essayer la vélocité, les vertiges avec la neige. Au total, c'est une quarantaine de nouveaux arrivants qui ont revêtu leur pantalon de neige pour découvrir ce sport pratiqué chaque année par près d'1 600 000 Québécois. En fait, l'objectif, là, c'était vraiment, vraiment d'inciter les gens à s'initier au ski et à la planche à neige et de faire découvrir là, les plaisirs de l'hiver au plus de monde possible au Québec. Depuis maintenant 7 ans, différentes stations de ski offrent la possibilité à de nouveaux arrivants d'essayer les sports de glisse via le programme Ma première fois. Une chose est sûre, c'est une activité très populaire. On a mis l'événement en ligne, puis ça a pris quelques heures, puis c'était complet, comme on aurait pu remplir 3 autobus. Il y a vraiment l'intérêt. Les gens, ils veulent apprendre. Souvent, c'est juste que c'est pas super accessible. Et pour certaines familles, c'est une journée inoubliable. Comment vous avez aimé l'expérience? C'est une expérience magnifique. J'ai vraiment aimé. C'était vraiment bien, ouais. Vous allez revenir? Bien sûr. Pourquoi pas? C'était tellement bien. On avait une coach qui était parfaite pour nous. Une expérience enrichissante également pour les moniteurs. Mais ça, mettons, c'était difficile des fois. Mettons, ils parlaient peut-être pas notre langue, mais on arrivait à se comprendre, puis un sourire dans le visage, ça disait tout pour nous. D'ailleurs, les stations de ski du Québec offrent un forfait avantageux pour les familles qui souhaitent s'initier à ce sport. C'est 29,95 $ et ça donne accès à une location d'équipement. Ça donne accès aussi à une leçon avec un moniteur de ski ou de planche à neige, tout dépendant. Et ça donne accès aussi à l'accès à la zone d'apprentissage, en fait. L'objectif, c'est de faire découvrir à plus de 4 000 nouveaux skieurs et, dans mon cas, nouveaux planchistes, ces merveilleux sports d'hiver. On y va! Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Saint-Bruno!